Jessica Michel Botton, cavalière professionnelle. J'ai monté Djembé de Hus qui a 4 ans, qui est né au Haras de Hus, qui est toujours la propriété du Haras de Hus. C'est un fils de Damon Hill qui a fait les Jeux Olympiques, qui était 4e des Jeux à Londres. Et un fils de Elf qui est par Argentinus. Donc Argentinus, c'est obstacle. C'est une jument qui produit toujours beaucoup d'allure. Une très grosse locomotion, ce qui est le cas de Djembé, qui a une grosse locomotion naturelle. Le cheval, je le connais depuis foal. Je l'ai vu tout petit à la naissance, et puis ensuite 2 ans, 3 ans. Et l'année dernière, il était champion de France des 3 ans hongre, avec quasi le même pourcentage qu'il a eu dans la finale à Saumur. J'aime beaucoup ce cheval, il était champion du CIR du Lyon d'Angers aussi. Dans la première reprise ici à Saumur, il était un petit peu ému du public et il a très bien fait sa reprise. Et puis juste à la fin, quand j'ai terminé par le pas, il a pris peur dans son dos du public qui est en hauteur, avec les tentes qui bougeaient. Il y avait une atmosphère spéciale avec une sorte de petite tempête. Et alors là, j'ai pas vraiment pu marcher, même si on voyait que le cheval sait marcher, puisqu'il a toujours gardé son rythme, mais il était pas un pas qu'il faut sur les reprises. Donc ça, c'était un peu la fausse note de la première reprise. J'étais assez déçue pour lui et aussi de moi, finalement, de ne pas avoir su gérer cet événement. Et puis la finale, il s'est complètement repris tel que je le connais, et il a montré toutes ses capacités dans les 3 allures, et aussi sa grande stabilité, sa régularité. Et je pense qu'il méritait franchement d'avoir ses presque 90% et de gagner.